Tiens, mes chers téléspectateurs, je suis sur la radio Dunia Vision, Moudi RDV. Je suis très heureux de vous dire que vous avez comme nous avons fait ça, c'est une émission Bibos, qui est l'animateur de la nouvelle génération. Je suis le beau, intelligent, fidèle, amoureux de la région de Fiskoa. Je suis content de vous parler de la invité. Il a su que les hip-hop gars n'ont toujours répondu à l'appel de la nouvelle génération, qu'ils ont vu, vécu, entendu cette musique, mais toujours même tombé sous son charme. Et ce charme est toujours défini par sa typologie, sa technique, et que la technique, c'est l'ensemble des règles qu'il faut suivre dans un ordonné. Mon école corps franchement mieux pour gagner le niveau si on express musique. Mon école maintenant franchement ils ont beaucoup fait. Mon école maintenant franchement la jeunesse aussi est maintenant au niveau. Tu as quatre hommes parce que je dis tout le temps qu'un leader ne parle pas mais il fait parler. Alors il est là l'incontestable de niveau présenté Sénégal. Mieux pour gagner le niveau il s'appelle tout simplement Mr Bra l'incontestable. Mon ami de valeur. On a beau Mr Bifa. Nakamu. Ça va, santé à ouais, je vais bien. Non, yo mom damay defalat sama tog ay dal di waxtan ak yow. Ha dila baye rek nga ñu wax askan bi. Ouais, ouais, ouais. Assalamu alaykoum Sénégal, assalamu alaykoum RDV, assalamu alaykoum ñi nga xamanteni ñi ngi suivre émission bi yépp. Mbekté la tay ma am occasion bokk ci sen plateau, voilà, et puis avec le jeune animateur qui est aujourd'hui incontestable, Mouy Bifa, qui est un ami aussi, donc franchement chapeau à vous et merci pour l'invitation et tout. Alors beaucoup de gens te connaissent mais tay dañu waxtan ak yow ci li nga xamantene actuellement manam moy solos Bibos mu émission bo xamantene franchement képp kuy def peu ci Sénégal dañu dem sétti la waye tam dañu waxtan ak yow ndax nina la demande bi bari na lol bra 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 tay ñu togax mom fassiyene waxtan ak mom tay buñ né bra sûrement dañuy wax bra express mais avant bra express je veux savoir exactement qui est l'homme bra. Bra ben artiste la bo xamantene bi ni ci ben groupe bu ñu wax express lañu ko gëna xamé. Yagna def musique bokku ci famille bo xamanteni bi ni bon ci sama côté papa mu nane ñep ar la quoi parce que voilà je suis issu d'une famille très artistique donc voilà mu nane ni là je suis à Djourbel bien sûr à Djourbel je suis d'origine de Fouta Kaskas dès que préciser Fouta Kaskas à Thiès aussi parce que sama côté papa yop ñu ngi Thiès sama côté yaay Dakar par affectation on est venu à Djourbel et que aussi tay lepp lo xamanteni bi ni xamna ko tagat nañ ma ci yatt nañ ma ci ñaare mom ko def tay et de telle sorte que mon alors dama jël dekk bobu def ko sama dekk bo xamanteni bi ni tay ji buñu né brancé à cause de cette région là et c'est important de préciser ce genre de choses mais man mom mën na wax ni je suis un sénégalais quoi parce que dama bëri ay mbokk fu né voilà donc bra disons ci en résumé c'est vraiment une modeste personne qui veut qui a la quête du savoir. Et un artiste bo xamanteni bi ni voilà il est en phase juste pour vivre son art paisiblement et pleinement quoi. Toi il est hip hop parce que je dis que même boko waxe da nga nek ci fami bo xamanteni ni ñepp dañ leen xamé art ñu nek ay artiste mais yow ak rap lu leen bolé man ak rap damay ñëwaat ci wax la sank ni posture moñu bolé posture moñu bolé pourquoi posture moñu bolé parce que hip hop rap bokoy dund il faut nga am ben philosophie ben philosophie boy bo acquérir d'abord à la base wala bo nek en quête d'acquérir. Posture moñu bolé parce que musique le bo xamanteni bi musique deug la musique représentative bo xamanteni il faut que tu représentes ceux qui n'ont pas assez de pouvoir pour woné sen bop pour wax sen bop pour wax woné sen mebeut pour wax sen mebeut donc limu laaj dafa bari donc liñu ñëk bolé man ak rap bra ak rap posture la quoi posture la quoi donc fofu lay lool lay ñëk wax posture la mbedd la vision la dignité la respect la. Parce que jamais ngeen ci dugun ngeen ci dan dugu dafa metti won hein c'était tellement dur hein yombul won aussi tamit sa dom dugu ci lu mel en plus nga bokon ci fami bo xamantene ni yeen ñep manam ci en keur nekkon keur go xamantene ni donte fréquentation la bo xamantene fréquentation bu bax la won mais c'était pas du tout une ben façon bo xamantene da nga nan da ngay intégrer ci rap c'était dur hein. Ouais c'était dur parce que pourquoi sax mo wara taxaw préciser dur bobu moy dañu nekk ñun dañu dëkk ci benn dëkk bo xamanteni ni c'est une ville religieuse dëkk religieuse ouais c'est une ville religieuse quand tu parles de Djourbel tu énumères Touba tu énumères Mbacké tu énumères le mouridisme quoi tu vois donc du coup pour nga implanter fa musique voilà hip hop voilà tout ce qui est culture en art il faut vraiment que tu aies la pédagogie qu'il faut mais aussi il faut vraiment que tu aies la patience qu'il faut. C'est très important donc ça n'a pas été facile on a été très endurant ci côté bobu non est très compréhensif par rapport à niveau de perception bi population bi di am par rapport ak ñun liñ doon def quoi donc du coup si je te dis que c'était facile là je plane c'était pas facile c'était pas facile mais par contre alhamdoulillah on a en fait moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont su m'accompagner
et comprendre les amis avec qui je traînais au fait. Bon, oui, peut-être l'autre chance de Timon, parce qu'on a une amie qui a commenté, mais nous avons beaucoup de hip hop. C'est une papa qui parce que qui tank, on est doudal, ou c'est une mère, parce que maybe Manak Salamane, on avait eu cette chance là. Mais peut-être Diamant, il n'a pas eu parce que son père n'a jamais voulu qu'il fasse de la musique. Et sa mère aussi, elle était à demi-mesure seulement, même que c'est mon coron diapolé. Bon, il a fallu l'intervention de mon père, des trucs, et qu'on sort. Bon. Il n'y a pas que lui seul, il y a beaucoup d'autres artistes qui évoluent à Djibel. Il ne serait pas l'intervention de mon père ou mon intervention, rien de demain, non. Parce que voilà, la compréhension était au rendez-vous, en tout cas. Et que lolo c'est de mon côté, santé yalla, santé aussi, c'est mes parents. Parce que tu es sur mon voyage, tu es au niveau bi, un bon degré de maturité bi qui ak fit ak audace, dara nyom nyom ta à la base, parce que nyom nyom me permettre. Alors, donc, voilà. tu as tout de suite su que vous portez la voix des sans voix, mon sens hip hop, de porter la voix des sans voix. Ni nga xamantene amuñu cadeau manam ci askan bi, yeen tamit ngeen jël décision porter ni nga xamantene moy sen cadeau. Alors, ça a été facile ci ben côté parce que sa wayjur bëggon na li nu mel, waye tam li tax ñu nane bra manam création express music la. Alors, dama bëggon exactement les débuts d'express music manam groupe bobu ngeen xamanteni yeen ko créé. Ça s'est passé comment? Est-ce que Bra dafa ñeu intégrer Express Music wala dañu fekk Express Music ci ay loxom? Express sama cœur le judo Djourbel escale nord boulevard Emmanuel Fall je peux dire donc fa le judo man dama nekkon ci ben groupe bo xamanteni bobu y avait pas Express n'existait pas encore c'était BMP Black Muslim Posse c'était aux environs bobu c'était ay 96 97 98 genre quoi. J'étais avec mon grand frère Dejigi et un autre de mes cousins qui s'appelle Ablaye Dian. C'est le même, nous avons un groupe qui s'appelle Ndiaklen, Momak Siri Fall. En ce moment, Dia ne faisait pas de la musique. Il ne faisait pas encore? Non, il ne faisait pas encore de la musique. Voilà, donc nous avons un monde. On a entamé nos carrières, on a fait beaucoup de choses partiellement pour être dans le groupe. Nous avons eu escale. Donc il y a eu ben groupe son grand frère Galé c'est l'aîné de ma famille de mo djok ci diko wax ça il m'a invité ci plateau télé radio partout mon donne dama koy delawat ndukal ti lu bari parce que tay ji buñu dem ba express am dayo wala que express a vu le jour c'est à cause de lui parce que déjà c'est lui qui nous a baptisé express avec ses amis Mara qui vit en France aujourd'hui et il y a Pape Sec qui est en Italie aujourd'hui, Idenian en Espagne, tout le monde, même Pape Sec, il y a aussi Malik Sec qui est le petit frère de Marem Faisal.